venues si nombreuses. Je voudrais déjà remercier le personnel, les conseillers municipaux et toute la mairie de hier et d'autres de la circonscription, des élus municipaux de la circonscription que je vois dans la salle. Merci à tous, notamment le maire de hier, monsieur Fauchy. Je me permets donc de madame Lamotte, je vois. Et donc, je vais commencer. Chers amis, permettez-moi tout d'abord... Aussi bon que Olivier, aussi bon que Olivier, voilà. Voilà. Merci, Michel. Merci aussi pour nous avoir prêté la salle. Chers amis, permettez-moi tout d'abord de vous faire une confidence. Cette soirée des vœux du député est la manifestation que je préfère. D'une part, parce que c'est le seul vrai moment de rassemblement des habitants des cinq villes de notre circonscription, Brunoy, Crosne, Montgeron, Vigneux-sur-Seine et hier. D'autre part, parce qu'il n'y a ni protocole, ni scénario écrit d'avance, ni préséance. Au nom de tous les administrateurs d'Agir, je vous souhaite une très belle année 2020 pour vous-même, votre famille, vos relations sociales et professionnelles. Je souhaite aussi bonne année à la France, notre cher pays, qui, je l'espère, retrouvera le chemin de la concorde et de la paix malgré la brutalité des réformes qui lui sont imposées. Enfin, Agir étant un parti à vocation citoyenne, j'adresse tous nos encouragements à celles et ceux qui vont s'engager dans les élections municipales des 15 et 22 mars prochains, car, quelle que soit leur sensibilité politique, ils ont le mérite de s'impliquer au nom du bien-être de leurs concitoyens. Mais vous n'êtes pas venus pour moi. Aussi, en vous souhaitant une excellente soirée, je passe la parole à Nicolas Dupont-Aignan. Alors, d'abord, je suis content parce que je suis plus grand qu'Olivier aujourd'hui. Alors, normalement, Olivier aurait dû prendre la parole comme maire de notre belle ville, mais je ne voudrais pas que sa liste soit inéligible parce que j'ai la chance d'y figurer et ça serait gênant. Et donc, il n'aura pas le droit de parler compte tenu du fait que c'est une manifestation députée et que les candidats ne peuvent pas parler aujourd'hui, les candidats à tête de liste. Alors, il y a un nouveau maire et il y a un futur maire. Et je salue Benjamin Cauchy de Vigneux, avec ma suppléante préférée, qui est ici, Lisa Haddad, qui est notre suppléante et qui est aussi de Vigneux. Et puis, bien sûr, il y a Bernadette, la présidente d'Agir au quotidien, qui, avec toute l'équipe qui a organisé ses voeux, vous pouvez l'applaudir bien fort parce que notre action au niveau local ne serait jamais la même. Alors, il y en a qui sont prévoyants, ils sont assis parce qu'ils se sont dit que le discours va être long. Et puis il y a ceux qui sont debout, comme la France avec nous, qui sont restés debout. Voilà. Alors moi, je voudrais vous dire quand même quelque chose, d'abord. Je voudrais remercier toute l'équipe, parce que souvent, vous voyez mon rôle de député par des prises de position médiatiques au niveau national, mais vous entendez moins parler du travail laborieux, quotidien, parfois ingrat, du député avec son équipe. Alors je veux saluer toute l'équipe parlementaire, Cathy, qui est ici, Franck, Jean-Philippe Tanguy, Alexandre Loubet. Je veux les remercier parce qu'ils font un travail absolument remarquable. Ça ne paraît pas, mais 55 questions écrites, 20 propositions de loi dans les 150 députés qui en ont écrit le plus, 350 citoyens reçus, aidés, dépannés tout au long de l'année, presque un par jour. 39 interventions à la Commission des Affaires étrangères, un rapport en préparation sur, et vous le verrez bientôt, sur la pollution des océans et le moyen de sauver notre planète bleue. Membre aussi de la Commission pour la condition animale, la dignité animale, 19 interventions dans l'hémicycle, des publications, notamment celles sur le scandale de la privatisation d'Aéroport de Paris que vous êtes nombreux à avoir distribué dans les boîtes. D'ailleurs, je veux remercier les marcheurs, mais pas les horribles marcheurs qui nous mettent dans une situation tragique.
les vrais marcheurs de Boula France ou de Agir au quotidien qui arpentent la circonscription et qui distribuent tous mes documents qu'ils pleuvent, qu'ils vantent. Je veux vous remercier très sincèrement. Et comme vous êtes nombreux ici, vous pouvez vous applaudir, je crois. Même si c'est bon pour la santé. Ce travail quotidien, c'est un travail ingrat mais exaltant parce qu'on est là aussi, comme député de la nation, au service de chacune et de chacun dans les 5 villes de la circonscription, hier bien sûr, mais pas seulement hier, Vigneux, Montgeron, Brunois et Crône. Et je veux vous dire qu'inlassablement, nous serons toujours à votre disposition. Et c'est aussi notre marque de fabrique, à votre disposition, quelle que soit votre couleur politique, quelle que soit votre origine sociale, quelle que soit d'où vous venez, ce que vous pensez, nous vous traitons toujours de la même façon. C'est cette idée de l'intérêt général qui préside au fonctionnement du cabinet parlementaire et je veux vraiment les remercier du fond du cœur aujourd'hui, vraiment. Bien sûr la suppléante, qui me supplée souvent d'ailleurs, elle prend l'habitude, et qui va dans bon nombre de réunions où je ne peux pas aller et qui m'aide énormément. Alors je ne suis pas là simplement pour vous dire tout cela. Je ne vais pas non plus trop vous parler des dossiers de la circonscription parce que j'ai la chance de pouvoir en parler au vœu du maire avec lui. Vous le savez, nous allons avoir de bonnes nouvelles cette année grâce au travail inlassable que nous avons fourni tous ensemble avec les élus. Je pense à la déviation de Boissy-Saint-Léger qui va changer la vie des Hiérois et des Brunoyens et des Cronois et qui va ouvrir au cours de l'année. Je pense aux nouvelles rames de RER qui vont venir, pas cette année, mais l'année prochaine ou celle d'après, et qui vont quand même changer la vie des usagers. Je pense à l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges, où je me suis battu pendant des années pour que la rénovation progresse. En un mot, il y a des dossiers qui progressent quand même. C'est ingrat, c'est difficile, ça va passer vite, mais ça fonctionne.